Aujourd'hui, on se déplace à l'Axou un vendredi, c'est compliqué, il fait nuit. Franchement, c'est assez compliqué. On se déplace avec une grosse équipe, il nous manquait un bon joueur, Steve Gourceau, qui nous manque beaucoup. On peut le voir côté gauche, il nous manque énormément. Après, Lilian Compère qui l'a remplacé, a fait un super match. Alors, pour débuter le match, on a super bien commencé les 15 premières minutes, on est incroyable, rien à dire. On ouvre le score avec H-Shot. Puis après, on double la mise, je marque et j'ai réussi à marquer un beau but sur une erreur de l'Axou. Ensuite, on se relâche bêtement. On se fait revenir à 2-2. Après, l'Axou mérite de revenir à 2-2, c'est clair. Il mérite. Il passe devant nous à la 35e, je veux dire. Il passe devant nous. On rentre au vestiaire avec un but de retard. Dans le vestiaire, le coach, il a parlé, il a dit des mots clairs. On s'est mis tous d'accord. Les joueurs qui n'étaient pas dedans aujourd'hui, ils ont su parler. Et en deuxième mi-temps, on est arrivé avec un autre état d'esprit, pardon. Et on est revenu déterminé. On ne voulait pas lâcher. On était une vraie équipe aujourd'hui, vraiment une vraie équipe. À la fin, on l'emporte 5-2 ou 4-2, je sais plus. Et puis, franchement, je suis fier de mon équipe aujourd'hui. Et franchement, bonne continuation à l'Axou parce qu'ils méritent de se maintenir. C'est l'équipe qui nous a le plus mis en difficulté pour l'instant sur les deux matchs. Et franchement, bravo à eux. C'était un match plaisant avec beaucoup de buts. Aujourd'hui, la physionomie du match a été en notre faveur au début parce que quand même, on prend deux buts coup sur coup au bout de 7 minutes. Après, les garçons, ils ont la volonté et le courage de vouloir revenir. Donc on revient rapidement à 2-2. On marque même le 3-2 donc sur la première mi-temps. Donc on fait une très très bonne première mi-temps. Ensuite, voilà, nous, il est difficile pour nous de concurrencer une équipe comme Neuf Maisons avec qui est très bonne sur toutes les lignes. Aujourd'hui, voilà, on a fait ce qu'on pouvait avec l'équipe qui était mise en place, avec le nombre d'absents aujourd'hui, parce qu'il faut dire une chose, c'est que l'Axou aujourd'hui compose avec la moitié de son effectif. Donc aujourd'hui, voilà, sur ce qu'on a pu montrer, c'était vraiment pas mal. Je suis fier de mes gars. Et aujourd'hui, on est tombé face à une très très belle équipe de Neuf Maisons, qui est pour moi la meilleure équipe du groupe. Et je leur souhaite vraiment de bien continuer la saison et surtout de monter, parce que c'est un club qui mérite encore mieux que la R2.